les électeurs qui ont pris leur courage parce qu'ils ont, si vous voulez bien, été sensibles à notre projet et parce qu'ils avaient un besoin de changement. Et c'est ça que je dois retenir le plus important. Vous savez, on est venu dans cette élection, je suis footballeur. Je suis rentré sur le terrain imposé par... On m'a imposé un arbitre, on m'a imposé un terrain, mais j'ai joué les règles. Mais on a perdu la bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Et c'est sur cette lueur d'espoir que je voudrais terminer. Un match se joue avant, pendant et après. Les délégués viennent de prouver une fois de plus que le projet que je leur ai soumis a été le meilleur. Et je ne peux que me réjouir de cette victoire et d'encourager une fois de plus mes partenaires à m'accompagner pour les 4 prochaines années. Plus imminent, c'est nous asseoir déjà avec nos partenaires et mettre en place le cahier de charge d'abord, et puis mettre les conditions d'assurance qui ont été promises à nos partenaires. Il faudrait que nous puissions nous asseoir et les mettre en branle. Prendre une assurance pour sécuriser tous nos sportifs après plus de 400 jours sans acquis. Paul Kessani, il a de bonnes idées. Il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble pour la construction du football dans notre province. Et le football dans notre province a besoin de tout le monde. Et il y a la place pour tout le monde. Ex nous demande d'avoir au moins 2 femmes dans nos bureaux exécutifs. Ce nombre a été respecté. Mais dans les commissions, nous allons mettre encore plus de femmes. Ça, vous pouvez compter sur moi. Je suis un homme de parole et de principe.